déjà pris de... Est-ce qu'il y a de quoi par exemple récupérer un manteau de spectre très mauvais trade ici. C'est un first blood. De jouer leur game, mais j'ai l'impression que... Oh là là, RNG. Pedrito, Looper, il fait énormément de dégâts. Déjà, c'est bien timé, les all-in survol. Et ça kill derrière Duke en danger ici. Oui, clairement au mauvais endroit, il a TP. Sans prendre en considération le déplacement, il y a suffisamment tanky pour encaisser. Cette attaque, est-ce qu'il Looper, c'est Looper de la mêlée. Il est contrôlé par Wolf. Il est cogné contre le mur. Écrasé par le marteau de la copie de Duke. Attention à Flicker qui est tout seul. Qui est quasiment fichu. Et qui est complètement fichu d'ailleurs. Des petits dots. Non, c'est pas possible, j'ai tellement peur. Pas rentrer dans le pit, il y a une Poppy, c'est très difficile. Attention à passer dans le couloir, il y a l'ultime Poppy qui me fait mal. Et Mata qui est le premier à tomber ici. Rappel du Rindo qui bosse beaucoup. Le Zonia, qui est parfaitement timé. Mais qui est encore vivant. Xiao est en train d'arriver également. Mais pour l'instant, il a touché. Attention, quoique le poste de la part de Looper, Woody qui cherche le latin sur Mengi. On était vraiment pas loin de la rupture. Mais bon, son Ezreal ne va peut-être pas le porter jusqu'au bout. Mata qui se fait catch. Et le kick qui est interrompu par la plante, mais ce ne sera pas suffisant. Il est full stuff hein, le Xiao. Attention, rappel du rideau à nouveau. Engagez Xiao, Faker dans la tourmente ici, qui est complètement coincé, qui va se retomber. Le shout est non. Peng se repositionne derrière, Peng en danger peut-être. Peng est en couverture, Duke. Sur qui Duke qui s'est encore une fois loupé de la part de Duke. Et regardez qui est là. C'est Looper qui arrache la backlane des KT. On va avoir 3 morts côté coréen. Est-ce que c'est pas trop à ce moment-là? Je pense que c'est trop avec un Jace. Ah là là là, le mec qui tombe, mais ça suffira pas, le Nexus qui tombe pour RNG qui prennent ce premier match, pardon, Twix. Un petit bon Corwan va remplacer Mouse. MLXG qui a lâché son Ghost dans la front. Oh, l'arrivée de Wolf, le route, la fatigue est positionnée, mais c'est Mata maintenant. Tiens, pour encore à corps, le décalage de Faker. Et derrière, les dégâts de Bang en long range, flashing de Blake. First Blood, doublé pour les SKT. Petit flash up pour sortir de la range. Ouais. Plus aucun summoner pour cette duo lane RNG. Wolf va venir le chercher. Wolf! On va essayer de revenir, le rookie passe sur Mata, il n'y a plus de summoner, c'est le dépop. Woody va essayer de sortir en catastrophe, les MLXG en renfort à l'arrivée de Blake sur Woody, la rage, mais ça tombe vite et on peut drive parce que oui, il y a un passif sur Blake qui n'aurait pu même le conserver et aller plus deep. Ouh, ouais, mais il y a MLXG et on va venir le chercher, le tampon contre le mur. Est-ce qu'il y aura cette burst contre Looper? Il a récupéré son shield et il va prendre disengage. On va sécuriser la tour pour Royal Never Give Up. Et il va devoir venir pour aider son équipe. Le Nashor qui est sécurisé. Duke va avancer dans le tas. Et il s'est fait un stand, mais c'est contre un Nashor. Le heal qui est claqué. On va essayer de partir. Et finalement, la couverture est bonne de Wolf. Pendant que Duke sonne avec le Maelstrom par devant. Uzi, il a plus les dégâts. Il a plus les dégâts à ce moment de la game. Duke qui va re-engage. Ça va être la game pour les SKT. On va revenir un partout dans ce BO5. Les RNG ont remporté la première avec brio. On peut dire la même chose des joueurs coréens qui ont vraiment oblitéré leurs adversaires dans cette seconde game. C'est super important. Il y a vraiment une grosse mécanique là-dessus. C'est pas mal sur Mata. Il n'y a plus de flash sur Mata. Et c'est le first blood qui est validé. Attention, le téléport, la revanche peut-être. Ah là là, il est silence le Looper. C'est terminé pour le Rumble Bateau de Bilgewater. Pourquoi pas, on a l'information quand même du côté des FPT. On arrive à trouver un kick. Là, le kick directement de la part de MLXG. Le Gufel qui connaît directement Mata qui va se faire lock. Le téléport de la part de Duke. On arrive à récupérer le kill. Non, Duke n'aura pas eu d'assist. C'est un TP en vain. Un rappel du rideau, est-ce qu'on arrive à toucher? Wall, la première balle, deuxième balle. Et la quatrième. Non, ça suffira pas. Le mantra qui était extrêmement bon. Blank qui récupère un kill. Très très bon mantra de la part de Wall. Je m'en perturbé. Ouais, t'as vraiment. Par exemple, les points de vie de Mata qui s'est quasiment fait 100% zéro. Mais le flanking, voilà, de MLXG qui arrive un petit peu tard et qui se retrouve lui aussi bloqué face au H de Brolaf. Et le flanking de Xiao qui prend son 1v1. Voilà, sa midlane a finalement été remportée. Uzi qui bombarde depuis la backline. La dernière balle fait très peu de dégâts. Et Xiao a déjà tout mis sur Faker pour être capable de terminer Blank. Et pour la top lane, c'est comme d'habitude. Oh non. Et ils ont récupéré un kill sur Vladimir. Et Bang, on l'arrête plus, Bang. Il est parti. Le flash pour Dodge, le Q-spell
de la floraison mortelle de Uzi. Le mouvement n'est pas fini, peut-être l'arrivée de Mata, le lock, peut-être sur Blake. Oh, le route a été loupé malheureusement, mais Blake va quand même être validé. Par contre, la réponse des SKT, ça valide avec le barrage terrorant. Xiaowu qui va subir le même sort et qui est soufflé en même temps que les boules de Faker. Et Mata qui se fait one burst comme prévu. L'Equalizer qui est un petit peu loupé, la synergie. Vladimir Rumble qui est cherché ici et qui trouve Faker. Mais il reste encore Blake, il reste encore Blake, il reste Duke et Wolf qui font énormément de dégâts. Du côté des SKT, fin de la game, 2-0 pour les SKT. Ah, c'est pas mal ce qu'il fait dans les tout premiers niveaux. Looper pour mettre beaucoup de pression. Attention, la pression de Uzi. Le flash de Uzi, le first blood qui est sécurisé par la duelaine royale des Nord Give Up. Il n'y a plus de summoner, il y a un flash encore sur Bang, mais c'est tout ce qu'il y aura. Le lien forcément qui mène sur Wolf, il n'y a pas d'escape. L'arrivée de Uzi et le dépop, c'est bon. Il est là, le décalage niveau 6 de Xiaowu sur le push à la mid lane. Mettre le temps, donc on a l'agression de Looper. Je Faker, la pointe du néon sur Xiaowu, sous la tour. Le kick qui va triguer même à Faker. Faker qui va prendre la région Dragon Quacko, mais c'est du 2 points. Et ça peut être pire, parce que Blake va aller chercher LNG. Le cocon peut-être de la part de Blake. Il va se cacher dans les creeps. Il se repositionne là derrière ses creeps. C'est du 2 pour 1. Ah, Xiaowu, il a même pas eu le temps de lancer son ulti, il s'est fait prendre son Faker. Non, on le sait. Voilà, donc c'est toujours plus simple. Attention, le trade ici, le cocon qui est enchaîné, Mal Trump. Duke, le burst, le burst sur Looper. De refermer la toile d'arrêt, c'est Mata qui va tomber, Uzi est visé aussi. C'est Wolf qui a l'aggro. Le TP de Looper. Uzi, l'édition magnifique. Le double kick. La téléportation de Duke. Duke qui va arriver dans le tas, la charge chez où la pointe du néant. Et c'est une pluie, non. Et ben j'ai le kick sur le kick Xiaowu. Qui vient avant Looper. Mais regarde tous ces flashs dispersion de la part d'SKT. Looper dans tout. Mais SKT Duke il aura vraiment plus son mot à dire. MLG, le kick sur Faker. Et il va y aller, il va mettre le kick sur l'animation de la pointe du néant. C'est excellent derrière l'arrivée de Mata, de Xiaowu prend le kill, MLG qui les engage. MLG qui fait tout pour son équipe. Mais la contre-attaque SKT est présente. Attention, le rappel du rideau, ici on enchaîne slow, le flank de Duke, double kill pour Bang. Et Duke qui vient conclure l'action ici au niveau de cette mid lane. Ah, ils vont avoir le temps d'arriver, les SKT, je pense. Hein. Blank peut tempo. Flash out de Blank qui tente de faire tourner l'esprit. Asiro Never Give Up, les SKT sont en train de refermer le piège sur les Royal Never Give Up. Le rappel du rideau qui sonne le la cœur destruction du MLG. C'est un nice noir pour SKT T1 qui va finir ce match et se qualifier. Ah, les icônes SKT ici. Demi-finale pour SKT.